Salut, salut, c'est Goupil et je vais te présenter cette fois, ça y est, des livres, dont 4 ouvrages de la rentrée littéraire. Donc voici la thématique. Et juste pour info, j'ai changé de décor car je ne suis plus en vacances. Donc voilà, là c'est chez moi. Alors les 4 livres en question, ça va être un petit peu tout genre, tu verras. Et c'est des livres qui m'ont vraiment plu. Comme je le disais, moi je vais te parler vraiment des choses qui m'ont touchée ou qui m'ont parlé. Ce qu'elles disent de Myriam Toews. Myriam Toews, pardon pour la prononciation, est une autrice donc canadienne qui s'appuie sur un fait réel qui s'est passé entre 2005 et 2009 en Bolivie dans une société mennonite, société isolée et très 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 patriarcale où les femmes n'ont même pas le droit à l'éducation. Et elles sont là vraiment pour les corvées, elles sont vraiment exploitées quoi. Et elles sont exploitées au point d'être victimes de viols. De nombreuses femmes sont violées et elles vont porter plainte de ça parce que là, ça c'est beaucoup trop. Autant des enfants que, enfin, n'importe quel âge, vraiment, il n'y a pas de scrupules. Et du coup, elle s'appuie sur ça pour parler de son histoire où les hommes, là, cette fois, sont accusés mais sont en prison, cette fois, pour 2 jours seulement. Et elles ont 2 jours pour discuter entre elles sur ce qui se passe. Ce sont 8 femmes qui se regroupent. Une est un petit peu plus... elle a fait des études à l'étranger et elle est revenue. Donc c'est elle qui mène un peu la danse de ce débat. Elles vont soit décider de partir. Il y en a qui vont dire non, on peut pas partir parce que ça veut dire fuir. C'est pas non plus bien. Il y en a qui disent il faut rien faire. La situation est telle qu'elle, elle va se calmer. Et il y en a d'autres qui vont dire il faut rester, mais se battre. Elles vont avoir ces 3 possibilités, elles vont discuter chacune de ce qu'elles pensent de ça par rapport à leur religion qui est très marquée chez elles. Et elles vont discuter oui, par rapport à leur responsabilité en tant que maman, en tant que grand-mère, en tant que sœur. Quelles seront les conséquences? Et quels hommes, en fait, est-ce qu'elles veulent fuir tous les hommes? Est-ce que seulement certains? Enfin voilà, ça... C'est une discussion très très large et c'était vraiment une très très belle histoire. Ce que j'ai adoré en plus, ça faisait vraiment comme une pièce de théâtre. Un huis clos, voilà, où il y avait énormément de dialogues, d'échanges. Et c'était très très bien, c'était marrant je trouvais. Il y avait vraiment un débat philosophique, théologique. Petite bête. Pousse ton cul s'il te plaît. Voilà, c'était vraiment très large. C'était chouette, c'était une lecture qui va me rester longtemps en tête, je pense. Ça fait plusieurs mois déjà et là j'y pense encore. C'était beau de voir ces femmes réfléchir, des femmes de tous les jours, de la vie de tous les jours, vouloir prendre une décision alors que c'est vraiment pas facile. C'est pas facile parce que c'est leur quotidien, elles ont vécu avec ça. Ça a toujours été comme ça presque, ça fait des années et puis... Puis là, on décide de faire quelque chose. Donc c'était très émouvant, c'était très beau. Je vous conseille cette lecture. Donc le livre de Anne Pauly, Avant que j'oublie, édition Verdier, qui est un livre qui fait partie de la sélection des prix des lycéens. Voilà, donc qui est plutôt un bon prix. J'espère qu'il va l'avoir, parce que je l'ai lu avant ça. Donc Avant que j'oublie, est une histoire de deuil. Donc le personnage principal est Anne, donc il laisse penser que c'est une autobiographie. On sait pas en fait. Donc Anne raconte le jour où elle apprend la mort de son père et jusqu'à l'enterrement. Tout ce qui se passe entre dans sa tête et le déroulement de la cérémonie. Anne va retourner chez elle pour replonger dans ses souvenirs complètement, pour retrouver les objets de son père. Et essayer de comprendre un peu mieux ce personnage qui était un personnage assez extravagant, voire très extravagant. Il avait des chapeaux de plume, il était un peu loufoque et il était très violent et alcoolique lors d'une période de sa vie. Donc elle l'a connu à ce moment-là, donc forcément elle a une image très négative de cet homme. Mais en même temps, elle est un peu entre deux. Elle le déteste comme toute personne. Personne ne l'aime, cet homme, hein, forcément. Il était violent avec sa femme, donc comment dire, comment avoir une bonne image de ce personnage? Et en même temps, il était très paradoxal.
Il lisait des livres de développement personnel, il était très nature, très spirituel, et tout ça, elle le raconte avec un cynisme fou, avec... c'était tellement drôle, j'étais pliée, j'étais dans mon lit là, j'arrivais pas à m'endormir, j'ai lu jusqu'au bout, elle est cynique, elle monte les personnages, ce personnage-là complètement loufoque et ses contrariétés, ses complexes, ses... Oh, voilà, je trouvais ça génial en fait. Et c'était chouette parce que justement, elle donne de l'empathie, elle arrive vraiment à... On sent, j'ai l'impression que c'est une histoire vraie, on sent vraiment que ça, l'autrice a connu ça, je sais pas comment dire. On a l'impression, ouais, ça m'a vraiment touchée. Pourtant, je suis pas dans ce cas de figure, j'étais vraiment empathique à fond. Et justement, tout le monde se dit, bah, hein, mais est-ce que ça vous, voilà, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire, avec des amis, souvent il y a cet échange qui revient, enfin, je sais pas vous, mais pour mon cas, comment c'est possible qu'une personne au sein d'un couple, homme ou femme, qui se fait violenter par son conjoint ou sa conjointe, reste? Comment c'est possible? Et du coup là on va un peu mieux comprendre. Et en plus c'est marrant parce que dans son entourage tout le monde admire sa mère. La mère c'est une sainte, etc. etc. Et le père, ben, personne, même s'il est mort, personne ne veut en parler. Et tout le monde parle de la maman. Anna dit mais non, mais en fait ma mère c'est pas une sainte. C'est pas parce qu'elle était victime qu'elle était sainte. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc la moitié du livre c'est vraiment d'un ton cynique. C'est la violence qui lui ressurgit à la figure, c'est la dureté de son vécu familial qui revient. Et puis petit à petit, bah en fait, elle va faire son deuil et en fait, finalement, elle va pardonner. Donc je vais pas trop en dire, même si, bah voilà, c'est dit dans le résumé plus ou moins. Donc petit à petit, voilà, l'écriture va changer. Et c'était très bouleversant. C'est ça que j'ai aimé, c'était surtout le piquant du début là, qui est super rythmé, qui est super cru, qui est dur avec tout le monde. J'ai vraiment adoré ce côté cru, piquant, où tout le monde en prend plein la figure. Voilà, en plus elle a des petits discours féministes qui reviennent assez régulièrement, mais ça je peux pas en parler, c'est vraiment, faut le lire pour comprendre. Et ce livre était génial. À ma lecture de Anne Pauly, l'édition Verdier, j'ai voulu tester un autre livre de cette édition, dont il s'appelle Les Hommes d'août, qui est sorti aussi également pour la rentrée littéraire. Et de l'auteur, c'est Sergueï Lebedev. Excusez-moi pour la prononciation, c'est un auteur russe. Donc juste avant de te parler un peu du livre, il faut que tu saches que j'ai une période un peu, une obsession un peu sur la Russie en ce moment. Je n'étais pas forcément... Avant, j'étais au courant minimum syndical hein, de ce qui se passait. Mais là, j'ai vraiment... Je suis un peu plus approfondie mes recherches. Et du coup, j'ai cette envie de lire plus de livres russes. Donc celui-là. Et en plus, je suis très curieuse des auteurs contemporains, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc là, j'avais vraiment envie de lire ce livre du coup. Sache aussi également que l'auteur est un... Et russe, donc, est un géologue et fait des recherches sur les goulags. Ça va un peu aider pour ce roman qui à la base, on va, je vais essayer de te résumer, c'est un comment dire, c'est un homme qui est fasciné par sa grand-mère qui est très très sage, très qui ne dit jamais rien, qui dit jamais ses émotions, qui est très dure mais en même temps voilà, qui est forte, qui un jour va mourir et lui va fouiller dans ses journaux intimes. Parce qu'en plus, il est curieux de son grand-père que personne ne connaît. C'est un grand mystère. On se demande si même il a existé. Voilà. Donc en fait, il fouille un peu et dans ses journaux intimes, il va un peu mieux comprendre l'histoire en même temps de la Russie. Et il va faire ses recherches sur son grand-père et qui va le faire voyager un peu partout, dont la Pologne, qui était l'un des derniers endroits où il a été, son grand-père. Donc à partir de ça, les gens, en fait il y a toujours cet aspect mystique un peu des personnages, vont croire qu'il est fait pour chercher les morts, pour retrouver les fantômes, pour faire ressurgir l'histoire, etc. Donc c'est un moyen de creuser un peu ce qui s'est passé dans l'URSS, de voir les gens qui sont morts et pourquoi, parce qu'il y en a qui ont été accusés juste parce qu'ils étaient contre le régime, mais pour pas grand chose finalement. Il y a des gens qui ont été en goulag, personne n'était au courant. Voilà, donc il va faire ressurgir les trucs crades qui s'est passé pendant le régime, vraiment.
Et tout te fait comprendre que c'était l'horreur, la dictature, etc. Et les gens n'osent pas en parler, les gens n'osent pas de peur que... bah non, à l'époque on devait rien dire et ils en parlent toujours pas alors qu'on est en 91, le sujet est plus ou moins assumé et bah lui il fait bah si c'est important, il faut savoir pour pas recommencer, etc. En plus il va y avoir le coup d'état ou la menace du communisme qui va ressurgir. Et là la peur, la crainte, tu lis tout le livre, tu dis mais c'est l'horreur, etc. Et ça peut revenir. Mais c'est horrible, donc ça part de ça, des hommes doutes, voilà, qui vont se battre pour pas que ça recommence. Et voilà. Moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'était assez pointu. Si tu n'es pas... si tu n'es pas trop fan du sujet, ne lis pas. Ça sert à rien. Il faut que tu aies un intérêt pour le sujet. Parce que c'est assez pointu. Tu as des moments où, voilà, tu vas plus en profondeur que l'histoire de base, connue par tout le monde. Voilà, des fois, ils te parlent de révolutionnaires un peu moins connus. Ils te parlent de faits, des choses, voilà, des trucs un peu anodins, soi-disant, mais qui étaient horribles. Je vais t'en parler après. Et en fait, tous ses écrits, ce que j'ai aussi adoré, c'est son écriture. Je trouvais que il avait des images, en fait, des métaphores magnifiques où vraiment tu... Ah, oui, je comprends ce que tu dis, tu vois. Je comprends. Et c'était, voilà, assez impressionnant. Et donc, par exemple, à un moment, il te dit la métaphore du communisme en plusieurs points. Il dit, par exemple, il sentait l'odeur d'un croissant. Voilà. Oh, putain, ça sent bon. Et là, il voit des barbelés. Il dit, ben, putain. C'est ça le communisme, putain, t'as tout le confort, mais tu es protégé à mort, tu peux rien faire, tu n'es pas libre en fait, mais tu vis de manière confortable, plus ou moins, tu n'es pas libre. Et je trouvais ça super, il avait plein d'images comme ça. À un moment, il a parlé du roi chien, et le fameux roi chien qui est un personnage, il t'en parle pendant longtemps, il t'en parle pendant 3 pages. Ce personnage est fou quoi, mais pourquoi il en parle autant? Et en fait j'ai compris, alors je vais te dire, le roi chien est un roi, et donc il y a encore cet aspect mystique, cet homme qui a une sorte de pouvoir un peu avec les chiens, il les contrôle de manière assez impressionnante, il leur donne des ordres, il les contrôle, et en compensation il leur donne à manger et un logement, voilà, un endroit où dormir. Il s'attarde sur ça, il dit oui, vraiment, il y a un contrôle sur ses chiens, il est un peu père des chiens, la sécurité, etc. Il y a une sorte de fusion. Mais si les chiens sont trop nombreux, ça peut se retourner contre lui, ils peuvent venir l'attaquer lui, parce que lui, en fait, ce qu'il fait avec ses chiens, c'est qu'il demande d'attaquer des gens, en fait, hein, tout simplement. Et du coup, il se dit, mais s'ils sont trop nombreux, ils peuvent m'attaquer. Ah, attends, mais j'étais là, mais attends, mais... Où il va en venir? Pourquoi il en parle autant? Et après j'ai compris, ah oui mais, non mais, ok, c'est une métaphore de la dictature, une métaphore du communisme. Et il fait ça plusieurs fois, et j'ai trouvé ça remarquable. Voilà, c'était une super lecture, je te la recommande si t'es curieux, si t'aimes l'histoire. Alors tu vois, moi je suis pas non plus une historienne, hein, j'ai des moments où je vais m'intéresser à un sujet vraiment en profondeur et je vais regarder plein de choses dessus. Donc ça peut t'aider toi aussi, si c'est pas ton cas ou si t'aimes l'histoire, je te recommande ce bouquin. L'homme qui n'aimait plus les chats. Alors, j'ai perdu l'auteur est Isabelle Aupuy. Isabelle Aupuy, donc c'est les éditions du penseur avec un A. Une toute petite maison d'édition, vraiment toute petite, qu'on a découvert avec mes collègues. On a adoré. C'est un tout petit livre, un livre coup de poing, un livre un peu à la Matin Brun. C'est marqué dans le résumé, hein, tu vois, un peu style Matin Brun. Bah, et oui, je confirme, c'est ça. C'est un petit livre, un tout petit bouquin là qui te fait réfléchir sur le monde en quelques pages et qui vraiment te fait cogiter et qui te reste en tête, etc. Et percutant, voilà. Un bon livre quoi, un super livre. Le titre est assez percutant. La couverture est assez jolie aussi, je trouve. Donc, on est sur une île, en résumé. On est sur une île où les gens... Il n'y a aucune personne native là-bas. C'est des gens qui décident d'habiter sur l'île pour vivre de manière autonome, libre et un peu bohème, forcément, de vivre de façon différente. Sur cette île, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chats. Et on suit le personnage principal,
qui adore les chats et qui décrit avec beauté, je trouve, et avec finesse l'effet que fait un chat quand tu l'observes. Tu dis, il est libre, il vient quand il veut. C'est un peu poète un chat, hein, ça, c'est gracieux, c'est voilà, il est libre, il fait ce qu'il veut. Il est pas. Il t'aime, il viendra vers toi. Et s'il t'aime pas, il se barrera. Et du coup, il a vraiment une admiration pour ces chats des rues qui n'appartiennent à personne, qui un jour vont disparaître. Il ne veut plus du tout en avoir. Alors, les gens, comme premier jour, ils disent bon, c'est pas très grave. Puis petit à petit, ils commencent à s'inquiéter. Petit à petit, les rumeurs courent. Les extraterrestres. un kidnapping des terroristes, voilà, il y a plein de rumeurs qui courent et la peur s'installe. La peur s'installe petit à petit. Alors, comme dans le livre, c'est assez drôle parce qu'ils appellent l'administration, donc voilà, ceux qui gèrent un peu les trucs chiants, dit que mais ne vous inquiétez pas, on va vous ramener des chats et ils seront super. Ok, tout le monde est là, ok, d'accord. Et nous, on a la vision du personnage principal qui est un peu étonné. L'administration, c'est pas trop leur truc. Les banques non plus, on comprend bien qu'ils ont un parti pris quand même. Et du coup, un jour, l'administration ramène des chiens. Les gens commencent à dire, mais attendez, non. Et ils leur disent, mais si, ce sont des chats. Ils leur disent, ce sont des chats, et ce sont des chats formidables, qui vous écoutent, qui sont tout le temps avec vous, qui vous adorent, qui sont tout le temps, qui vous obéissent, qui sont géniaux. Voilà. Personnage principal qui commence à s'inquiéter, dit mais attends, mais c'est pas possible. Et tout le monde a son chien, tout le monde est attitré d'un chien, tout le monde a sa laisse, tout le monde a son harnais, etc., etc. Et puis petit à petit dans les rues, on voit ces gens avec ces fameux chats. L'administration dit mais si, ce sont des chats, donc ils promènent leur chat en laisse dans la ville. Personnage principal dit mais attends, mais c'est pas possible, etc. Et puis ce personnage a des amis, dont un. Si je me trompe pas, un prêtre, un poète, voilà, ils sont plusieurs, un peu artistes. Et ils parlent de cette situation et de cette évolution. Ils disent, mais attends, mais c'est pas possible. Mais on se moque de nous. Et du coup, ils parlent de ça, ils parlent de religion, ils parlent de spiritualité également. Ils étudient le pourquoi du comment, ils étudient la société un peu. On dit, mais attendez, mais on essaie de nous berner, on essaie de nous faire croire que on essaie de nous installer quelque chose soi-disant confortable qui n'est pas confortable finalement parce qu'on est on n'a plus de liberté quoi, en fait on est manipulé par ces gens et on comprend que les chiens ils sont là un peu pour pas espionner mais pour retenir la vie des gens, pour faire en sorte qu'ils restent chez eux, pour faire en sorte qu'ils s'occupent de cet animal, etc., etc. Ça va très loin, le chien est vraiment la manipulation de l'administration. C'est superbement décrit, on lui propose un fameux chat et alors il dit ok, ok, ok. Et je vais pas trop en dire plus. En tout cas, moi ce que j'en ai ressenti, c'est que c'est un livre poétique, vraiment un très beau livre qui parle de la liberté d'une manière magnifique. Ça te donne envie après d'avoir un chat qui te parle de la vie en fait, de la façon, je sais pas comment dire, c'est très spirituel, c'est très beau, c'est pas spirituel dans le sens religieux, hein, on s'entend bien, c'est spirituel dans le sens, c'est humain quoi, c'est la manière, c'est très, très humain. Et l'écriture est très simple, très fluide. En fait, des fois elle est répétitive, tu pourrais croire qu'elle est naïve au début, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès pour te mettre dans cette ambiance très rapidement, et je trouve que ça fonctionne très bien, donc félicitations. Elle a eu un prix coup de foudre en tout cas, au Vendanges littérature de Ruvesa. Voilà. Je crois que je t'ai parlé de tous mes livres maintenant, j'espère que ça t'a plu, que si, n'hésite pas à échanger, à me dire ce que toi, ça, est-ce que ça t'a donné envie, et est-ce que tu en as lu déjà, aussi, et puis bientôt, à la prochaine. Salut.